Uber. La meilleure boisson énergétique au Mali. Chers téléspectateurs, de loin et de près, une fois de plus, bienvenue sur l'émission RHHM Comédie. Soyez les bienvenus. Alors, comme je le disais, l'émission, c'est uniquement de l'humour, 100% humour, avec des humoristes, des comédiens qui viennent détendre le plateau, qui viennent vous donner le sourire et la joie. Donc, l'émission est siglée de Mali Comédien, un Indien Comédien, Bekama Kaula, il est depuis Aura Salon. Alors, l'émission m'a dit que c'est un thème de la. Donc, à chaque fois que l'émission est présentée, on met un thème qui est là. Le thème est là, tout le monde est là. On met tout le monde, on met un barabake, on met un chien, on met un chien, on met un chien, on met un chien. Maintenant, tout à détail, parce que les comédiens qui nous mettent en plateau, ils vont échanger sur le sujet avec vous. Bon, quand je dis avec vous, on va télé, on va avec à la même, on va dire que vous l'avez dit, quoi. N'allez-vous dire, on va avoir dit à quand. Après, on va aussi remercier le partenaire, c'est-à-dire le sponsor qui est Uber Energy Drink. On va folie, baba, parce que vous l'avez quand même demandé, l'émission est réalisée. On va se faire, on va y aller depuis Obokasso. Voilà, on continue. Mesdames et messieurs, pour ceux qui ont pris le train en marche, l'émission s'intitule tout simplement RHHM Comedy. Et le premier comédien, c'est-à-dire le premier humoriste sur ce plateau d'humour, il se nomme tout simplement un jeune qui a du talent, qui est stylé, qui a du style, qui a de l'humour et qui est d'origine de Tombouctou. Tu vois un peu la distance qu'il faut Tombouctou quand on voit le plateau, quand il y a un clac, quand on l'a yélé. Il s'appelle tout simplement Papou. Mesdames et messieurs, Papou pour vous. Papou, ça fait plaisir, Papou. Oui. On te voit, non? Oui, on te voit. Oui, ça c'est bien. Et l'émission, c'est RHHM Comedy. Papou, merci quand même de venir sur notre plateau ici pour faire rire tes fans et faire rire les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre actuellement. Oui. Papou. Oui. On me voit, non, j'espère. On y est venant. Et n'était pas là, là. Ni moni bela do ni bodo mais awa kalama bela chenga foli bela we chenga village la bela ke robi atoko galiu ne tara sugula kata ding sokura sangaria dema ka de to sanana ka de pa ni sokura sangari petinima anye bala shangusa petini bila kura kata fe petini bila bina kata fe bika jaya kata fe ke dunga la sumara fe sile ndro aku ai kantu ah abo hara tu arresto ko tutto lo faccio tutto per lui Muhammad afai na gso de kila na gso di ka de ga ndi suta adama a de suta dor ki kunda suma asile sula asira bidiga ro kila bokana ne fulta la bia hey fulta la eto saka na ngani mungani mu eto saka de ne trompe mais les vieux, au moins, il faut me salir. Hey, salut, tartala! Ni ne t'as pas dit que c'est bon le bala. Ah, 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 ah,
ikane ke soita anga tanga na so sa nexo mi bibonya. Merci, merci. Merci. C'est bon. Et c'est ça qui fait la beauté du Mali, quoi. Tu vois, un peu ce mélange au niveau de la culture, ça fait plaisir. Papou, ça va? Oui, ça va bien. C'est vrai qu'on est sur Gokuma Fo. Aïné Akila Djigin, Ned Dena. Ne négocio sanga doma. Il va dans mon rôle d'imsen mani qu'on est négocio sanga di dema. C'est-à-dire, na borana e carré kono. D'imsen tau li va pousser. Oui. Tu as au carré en fait d'imsen mani. C'est-à-dire, négocio sans fait. D'imsen tau qui pousser. Mais ne deme boni négocio y solé. Kadi mon rôle malé rebo pousser. Ne gongo tanya ta kono. Voilà, merci papou. Yeah. Alors papou, bitem, comme je le disais au départ, quand je plante le décor de l'émission, il y a toujours un thème. Oui, bitem oui. Be munka. Mon rôle nous met à tonga là. C'est-à-dire, kata neji koro. Clé coro, sans coro, ka barabake, ka warsoro, ka claque à chusomro mal. Afrique, en a quoi, quand elle a malé trop Afrique, ka chusomro ma, koukani, dotaïka sojo, doretaïka keka, de meke dukono, mais a waru be chou kofé. C'est-à-dire, la délicante du mambé boule en tant que comédien humoriste, ka lasse omro mounboulou, ka na folo chou ou ko. Bon, plaisir, mounbe ou baradake, vraiment, c'est pas joli à voir. Amai. Iki miri alala, mo bori kerefe, kata fen yin koka, a yuwele ka fen chima, ki ka fen lo nya ako, wal maga dujo ako. Mo je pense ke, nibi miri masa alayena, alita a sikrize wal ma yi bla femina ouke, vrema baranyumante, uko dabla otron de nyowante. Voilà, Kako Dabla, un conseil quand même par l'humoriste Papou. Papou, ça fait plaisir. Merci Papou. De vous rien. Pouvez venir quand vous voulez. Alishini, Aitokana, Nim Plateau Inka, Angaseka Mrola, et le Mounouman Flem Malik Kono, Ani Malik Koka. Koka. Ah, plaisir. Elle est sachée, Moro, où il y a pas de manque. Nintabura, comme il dit, nous avons un peu de temps. Merci. Merci. Merci Papou. Merci. 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 Voilà, merci Papou. Alors on continue avec l'émission. Et cette fois-ci, ce jeune, il est pétri de talent. Akanani nakoni émission RHHM Comédie Fanaye qui a découvert. C'est-à-dire que jeune don comédie là, akunte moun don. Émission est chancée de jeune croix badé ni mafana. Malion kasse koudon, djien kasse koudon parce que on le dit, à un moment, il faut faire place à la relève. Alors tout de suite, pour ceux qui veulent participer, comme ce dernier qui vient, qui va venir tout de suite nous rejoindre sur ce plateau, vous pouvez contacter la rédaction 71 44 12 08. Mais ce dernier, il fait la fierté de l'humour parce que moi je l'apprécie personnellement. Il se nomme tout simplement, il a un nom pas comme les autres, Koba le Bandit. Koba le Bandit. Ça fait plaisir. C'est un plaisir d'être ici. Voilà. Koba le Bandit. Qu'est-ce que tu as? Alors moi, c'est Koba King Bandit. Je suis très content d'être là ce soir sur cette scène RHHM Comédie. Vous savez, dans la vie, quand vous avez la chance de voyager, voyagez, allez-y n'importe où. Parce que ça va vous permettre de voir beaucoup de choses et de comprendre beaucoup de choses. Dieu merci, moi, j'ai eu la chance de visiter plusieurs pays. Même si je sais que d'autres vont dire que je me vante. Bon, je m'en fous, hein. J'ai visité la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne. C'est trop, je ne peux pas tout citer. Partout où je suis passé, j'ai constaté que les filles malines sont les filles qui adoptent plus le bon comportement et le bon caractère. Je me rends la porte, je vois une fille malienne très très belle, époustouflante, canon quoi. Elle a une forme vraiment quoi. Donc je décide de m'approcher d'elle, c'est-à-dire un gentleman en choco pour la draquer. J'espère qu'il y a des chocos qui me regardent. Même si je sais que c'est faux, il n'y a pas de chocos à Bamako à part moi. Je m'approche de la fille, je lui dis bébé ça va, tu vas bien. Elle me regarde. Moi, j'aime pas ça. C'est pas problème. Il faut plus m'appeler. J'aime pas les garçons comme ça. J'aime les garçons qui savent draguer avec la tendance. Et quand elle a parlé de tendance, en même temps, j'ai improvisé. J'ai changé de stratégie. Je la regarde, j'ai dit. Denis Boubara Kamaka, hein? On est d'Abali de Bana. Elle change d'avis, elle me regarde. C'est mignon, hein? Je dis normal. Elle me donne son numéro, arrive à la maison, je l'appelle, on cause. On se donne un rendez-vous dans un restaurant très chic. Le rendez-vous était prévu à 20h. Mais pour montrer à la fille que je l'aime, même si c'est faux, je me pointe vers 16h. Et Dieu, affaire de femme. Moi, je me pointe vers 16h. 16h, 17h, 18h, 19h, 20h. Je sors mon portable, je l'appelle. Je dis allô.
tu es arrivé? Je dis, oui, je suis arrivé. Je raccroche. De 20h à 0h, je ne vois absolument personne. C'est bizarre. Je l'appelle encore. Je dis, allô? Tu es arrivé? Je dis, oui, je suis là depuis. Si tu ne viens pas, tu me dis, j'ai des trucs à faire. Je raccroche. De 0h à 6h du matin, je ne vois absolument personne. Et c'est là que je me suis rendu compte que je parlais avec son répondeur. C'est bizarre. Le répondeur qui te dit, tu es arrivé. Donc, je me suis énervé. Je me rends directement chez elle. 6h, 7h, 8h, 9h. Je la vois sortir de la maison. Je m'approche d'elle. Je lui dis, ça va pas chez toi. Toi, tu te prends pour qui? Depuis que je t'appelle, tu ne décroches pas mes appels. Je vais te... Et quand je dis, je vais te... Elle me regarde. Hé. Toi, tu es bizarre, hein? Donc, c'est seulement les chansons qui font buzz sur TikTok que toi tu connais, quoi. Et puis tu les as toutes captées. Et là, elle me regarde. C'est un professeur d'histoire jour. Et puis c'est grâce à lui que tous les élèves maliens ont connu l'histoire de Sundiata Keïta. Et moi, j'ai regardé, je dis, s'il te plaît, ton papa, c'est un menteur. Et je dis, mais comment vous faites en Wallonie, là? J'ai déjà mis trop de choses sur Sundiata Keïta, là. Non, t'as béni, mamso, moulo, t'as des rajouta. Mais tu es fort dans TikTok, dè. J'ai dit, c'est normal. Toi, ton papa, là, c'est un professeur d'histoire jo. Mais moi, je suis né avec histoire jo. Kouba! Oh, ça fait plaisir, Kouba. T'as utilisé l'actualité, le nom des chanteurs, la musique des chanteurs pour nous donner le sourire. Ça fait plaisir et big up à ces artistes aujourd'hui qui sont sur TikTok et en train de nous donner de la joie à travers leurs chansons. Alors, Koba, en tant que jeune humoriste, aujourd'hui, lui qui a carrière d'amené stand-up là, nous avons émission à Thème Nebala. Bon, Big Thème Bemunka, nous nous mettons à Tunga là. Katasseke, ka Warnini, ka Klaka Chou Somoroma, ou bien ou Teruma, ou bien ou Domra Doma. Kuka barado kuye nyanu kasea me achamana weta soro amabwa serafe abe duskashi mina suma. Toi en tant que comédien humoriste, non seulement même rôle à elle, mais de temps en temps on a quand même des conseils aussi à donner aux gens. Et bien mon faux mouroye moun mouluka war la tien. Bon, franchement, moun mouga war la tien, c'est pas bien parce que oube tungana oube barad la oube baram ne et aton. Apsa gadobe chupon jugoro. Non, on sait jamais. Animé trop, effectivement. Beaucoup sont traumatisés, quoi. Donc, du coup, le war blagana, et gâte là, ou franchement, j'ai glaté que d'où. A tchemaï, a dabla, c'est pas bien. Merci, Koba. Les conseils de Koba, Kaka Sabali, Aya Haklito, Anga Tungarange ou là, ou Mana Warchi, Aoma, Aya Boa Serafe, parce que vous pouvez se gagner, Kawarnini. Merci. On se donne rendez-vous bientôt, parce que ce bientôt. Plateau, quand même, au bel état, Wato, Rati, Idia. Tu viens quand tu veux. Koba le Bani, merci quand même. Voilà, merci. On continue cette fois-ci avec des humoristes qui viennent de partout. Et cette fois-ci, celui qui va venir, il est issu de l'école, le Blomba School. J'ai eu la chance de le voir plusieurs fois sur scène. Il a émerveillé le public parce qu'il a du savoir-faire dans ce qu'il est en train de faire parce que c'est un humoriste pétri de talent, pas comme les autres. Il a un nom pas comme les autres. On l'appelle tout simplement l'ambassadeur. Ambassadeur. Un président. Oh. Ambassadeur. Ok, c'est comment? Ok, bon. Allez, beba kalama kafokon. Ko vie cool commune koni amano. Vraiment tellement qui non. Du Maroc, amano ko yere. Loisir yere défensif amano. Dono la. Ansigile de bete ou la chauffe. Ah, tiens donc Canada. Ambete ou la bete ou la bete ou la. Balamina pour les candidats de Borando kasokon. Ko woi. Aina ça. Non, ça chauffe. Direct en boulagadou. Dotarani beri dotarani kulungala dotarani e ou yefe na suka beta fon vemese na do sa mesaka fra ou gna wota to grand père pou la rata net antara do salon kono
sabi chamachela bekere nuka sala kuri a jame min fo na energy mali mayende a gerela sala bekere le mamna kabe bere da kuna kuran go ba a de ka imagine to la bay pou le sa de bourade de sono wai ne ko wai ne ko wai ne se o don go sa ke dotra gabri tour la dotra poesie dotra sa mali buta ro ko sina je vous remercie. Ambassadeur des menteurs. Ambassadeur des menteurs, surtout, il a bien précisé. Oui. Alors, merci une fois de plus hein, d'être venu sur ce plateau de RHM Comédie. Oui. Alors, nous avons une émission de thème. Nous avons tout le monde. Il est là, français. Bon, Tara. Il a dit ambassadeur des menteurs. Bref, il est là. Bref, il est là. Il est là, parce que c'est là, l'époque là où il y a un rafoulé. Ah, d'accord. D'accord, maintenant, donc maintenant, Degumba, il va en tournerange ou quoi? Oui. Chamamé baraque tasma la, warninika, chou, somroma, ou balma, ou terou, domroma, coco, marunia, diamanacono. Mais y'en a aucun signe, on a un assurant, chamambolente serafe. Vraiment sujet d'ombi, en tant que comédien, cardinier, à quoi conseil dit, à coula, à nihaklina mimbila, calassé, à la diabrama. Ok. Madame de Follat, je n'en ai fou. Merci. BRHM, Bella Jelefou. Aline, en flèche de ma Bella Jelé, en Bella Jelé Fanafo. Bon, il y a un sujet, mon frère, vraiment, à Canadabla. Sabula, ni Reimbiri, tout le monde a condition de vie là. Ou bien, si tu es là, ou bien, tu es là, 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 tu es Allah de Bardo. Wallahi atite ni doga condition de vie tatemne. Alli faridu. Billahi te son afkara warchima. Parce que avec Gela mingone Allah de Bardo. Donc vraiment, mwomu nuka baradu. Vraiment, ou ka isi, ka dabla ere. Kwa na esi de ou ka dabla peu, sabla baran mate. Parce que mwomu ta sengake, al na keri ere la emika wardu. Na sur ere do ati bema. D'accord, sur ce, on va dire merci à ambassadeur, des menteurs. Aya dabla ay sabali tungarange ou besire ka warnini ay ou ka tchoubo a sirafe. Merci. Merci. Bye bye. Ça fait plaisir. Merci. Mesdames et messieurs, et l'émission continue pour ceux qui ont pris le train. Moi, j'aime bien le dire tout le temps. Et l'émission s'intitule tout simplement RHHM Comedy. Et on va dire un grand merci au partenaire qui est Uber Energy Drink, qui n'arrête pas quand même de nous soutenir. Alors, c'est pour dire aussi, pour ceux qui veulent participer à l'émission, c'est très très simple. Il suffit seulement d'appeler la rédaction 71 44 12 08. C'est important. Faut tenter le numéro et puis venez me rejoindre sur ce plateau d'humour pour que nous puissions partager la scène ensemble. Alors on va continuer. Koulou Megase Tchentien Massissa amène à mon homme il est belle 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 mali comédie là belle belle pas n'est pas torot ma bé gawa belle belle allez lui tout rambla quoi quand tu vas quoi blagne ou manque. Mais aujourd'hui aussi il est issu de l'école du Blomba School et à travers la Côte d'Ivoire avec quelques aînés qui ont sa touche, ça de quoi touche frac. Hein. Et ce jeune-là aujourd'hui fait la fierté de l'humour et chapeau à lui. Il est beaucoup sollicité aujourd'hui par la population. Concept de Oba Bolo avec Tayer Kalalou Fanake, Arev Naklakoulou Benyafoye. Au Fanako Fetouni, à la fin de Sangaba sur les réseaux sociaux, qu'on caméra cachée. Grand frère Varo Mokonkoura. Aïe, au tien, ça donne le coup. Voilà, mesdames et messieurs, Choco! Choco! Aïe, on t'a fait quoi, Tena? Toi, où est-ce que tu es là? Tu es là, moi, je suis là, je Choco! Je suis là, je et
téléspectateurs, parce que en fait, je t'explique. Moi, avec l'émission, quand j'annonce l'invité, c'est-à-dire tout de suite, il vient. Mais moi, je suis différent des autres. Moi, c'est président Ngolo. Oui. Le président, il a droit de jamais dire quoi. Donc, il est là, il est là. Mais il est là parce que je suis ton président. Tu es président d'avant. Moi, je suis président de maintenant. Voilà, notre émission, fauteuil flalébé, droiti et gauchi. Donc, il va la dire, mais moi, je veux te conseiller Kati Sikiyan. Parce que je ne veux pas le faire, Kati Sikiyan. Pour moi, en tant que politicien, je suis à tes camps, il va se faire une bombe de BFA, on sait. Mais pourquoi c'est ta maison? C'est ta maison, je te laisse. Tu y places, on attend place là. Tu t'assois ici ou bien Yann? Il va te demander. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Oui, Sikiyan. Alors, on va remercier le sponsor qui est Uber Energy Drink, sans oublier les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre actuellement chez eux. Et l'invité aujourd'hui, c'est président Ngolo. Ngolo, ça va? Pourquoi moi j'ai même couleur que télévision là? Parce que ça n'a rien fait. Golo, ça va? Oui, ça va aller. Les actualités actuellement, Golo? Bon, actualité en ce moment, ils sont en plein tournage. Tournage de Galinedo. Et je suis des concepts maintenant. D'accord. Toklo, voilà. Et puis. Explique-nous un peu Toklo, c'est un peu. Voilà, Toklo, c'est le. C'est on explique un peu la réalité de ce qui se passe. Puis, moi, dans les sociétés qu'on a mal là, il faut même avoir Toklo. Oui, machine, t'as la rade de tout, qu'on aura fini. Voilà. Mais on a remarqué aujourd'hui que aucun métier, c'est un peu minimisé. Moi, Toklo, t'as CV là. Parce qu'on pense que Toklo, c'est quelqu'un qui doit forcément venir du village. Bon, voilà, j'ai une machine taraïa, bon, je ne t'ai. Moi, je veux juste montrer que Toklo, c'est un travail. Voilà, les deux, moi, je vais négliger. Parce que tout le monde a besoin de Toklo. Allez, ATT, il a fini de réparer Toklo fait. Boroto, il a fait un peu de Boroto, il a fait un peu de Toklo. Quand tu as Toklo, le Kaudjunga Boroto, Karadjurula. Bon, alors, rapidement aussi, il y a caméra cachée. Oui, je vais terminer Toklo. On avait fait une pause, on a repris. Cette fois-ci, l'objectif numéro un, c'est de tourner avec tous les artistes du Mali. Avec mes artistes, ils vont tourner avec tous les artistes. Comédiens ou bien comédiens, chanteurs, okay, musiciens, tout le monde. Dès que c'est un temps, on veut tourner avec tout le monde. On a tourné avec Chekinito, Yoro, et puis Darkev. Darkev que. Nous prions tous pour lui. En ce moment, il traverse des moments difficiles. Effectivement. Voilà, une pensée à Darkem. On a tourné plein d'artistes comme ça et puis ça continue. On va continuer de tourner. D'accord. Et rapidement, caché, oui. Caméra cachée. Et c'est un concept que j'ai développé avec Arc-en-Ciel, le groupe Arc-en-Ciel. Parce que les caméras cachées, mais qu'il y a un peu fait bien. Et en plus, une émission de Crégo Caméra Cachée. On termine presque dans tous les pays d'Afrique, Côte d'Ivoire, Burkina, Bénin, Togo, Cameroun, ils ne sont pas arrivés au Mali. Voilà, quand moi j'ai vu ça, je me suis senti un peu frustré. Pourquoi arrêter de créer mal là? Voilà, moi je suis venu avec le concept caméra cachée. Avec mon retour, il y a un coup A plus idée, vous voulez gagner la émission là. J'ai dit non, ce n'est pas une idée d'A plus, c'est mon idée à moi-même. C'était une émission produite par le groupe Arc-en-Ciel, mais malheureusement, il y a eu. Voilà. Non, c'est moi-même, je produis l'émission maintenant, quoi. D'accord, il est producteur, un jeune quand même. Mais avant, je connais quand même là. Il y a un peu de craint, il y a un production, je ne sais pas la lumière pour arriver à quoi. Parce que, allez, finir le tout. C'est vrai, final, c'est un vrai malien, 100%. Malien, maman, malien. Donc, tu as fait quoi? Tu étais pour qu'on invite au moins. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Ok, bref. Tout de suite, dans l'émission, il y a ce côté où on met thème d'autant. Et aujourd'hui, il y a un peu de temps. 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 Souvent, la solution est là. Souvent, l'explication est là. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. En tant que comédien aujourd'hui, si tu as un message à l'endroit quand même de. Ok, d'abord, je salue et puis j'encourage tous nos Tougarangais. Voilà, mon refond d'A Tougana, je les salue, je les félicite. C'est un peu difficile, Nere et Tougana est là-haut. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est un peu difficile, le gars, Barak et Gawar, là-bas, ils souffrent vraiment.
en Europe, nos frais souffrent en Europe. Il faut se remettre à si chambre ou clin qu'on a, chambre ou ça va quand acheter. C'est un peu compliqué. Papier quoi là, c'est un peu compliqué. Au bout, c'est un peu comme voir blagana, canadi ou à baragala et botagodun. Je pense que c'est un très mauvais comportement. Mais il va que regarde d'abla parce que ce n'est pas vraiment bien. Moi, c'est que c'est voir des maquillages baragama fou et qui va t'arracher. C'est un très mauvais comportement. Regarde d'abla, sinon vous bégayez vous là. Alors, mesdames et messieurs... Ça fait mal, hein. Sinon, moi-même, né suis blague d'accord, voilà. Quand tu as mon petit frère a gâté. C'est né 5000 blagues, quand tu as dit Mbama, il y a un forfait là. Alors, merci à nos téléspectateurs qui sont en train de suivre actuellement l'émission RHHM Comédie. Vous le savez, lui, il ne le sait pas, mais Aïs Yoromi, il doit nous raconter une blague pour faire plaisir quand même à ses fans. Merci, Yav. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, c'est le président Angolo toujours devant vous. Vous savez, Bi, au Mali, l'école, c'est compliqué. L'école Guerala, il y a toujours des grèves. Ce qui fait que bien, élève, nous, c'est un peu compliqué. Moi, je suis allé dans une école, classique, on a mis dans ce roman. Il dit bonjour, les enfants. Oh, bonjour, messieurs. Bon, aujourd'hui, on va faire l'alphabet français. Les élèves ont commencé à rire. L'alphabet français compte combien de lettres? Tata, moi, messieurs, moi, messieurs, moi, messieurs. Oui, toi, Koulibaly. Monsieur, l'alphabet français compte 26 lettres. Pourquoi ou quoi? 6 voiles et 20 concons. 6 voiles et 20 concons. Quand c'est pas 6 voiles et 20 concons, 6 voiles et 20 consonnes. Comme maintenant, qu'est-ce qu'une voile? Ah, monsieur, tu m'en avoues, qu'est-ce qu'une voile? Qu'est-ce qu'une voile? Vraiment, boulot là, lui, personne. Il y avait un petit travail derrière là-bas. Le mec dit, oui, Moussa. Il s'est levé. Qu'est-ce qu'une voile? Monsieur, une voile, c'est la femme d'un voyou. Le mec dit dehors, dehors, dehors. Maintenant, on va faire la récitation. On va faire la récitation. En ce moment, vous voulez rester en classe ou non? Il y a un deuxième voulet en classe. Doumbia Adama. Doumbia Adama, viens ici, récitation. Oh, monsieur, récitation. Mon père. Si mon père était un ministre, ma mère, une députée, je serai un président. Si mon père était un basketteur, ma mère une habite, je serai un footballeur. Dis-moi, si mon père, si mon père. Faut changer là-bas. Monsieur, je vais changer. Si mon père était un roi, ma mère une reine, je serai un prince. Je vais changer. Que si ton père était un imbécile, une voleuse, qu'est-ce que tu allais devenir? Monsieur, j'allais devenir un enseignant comme toi. Allez, tu viens me rejoindre sur le plateau. Voilà, je vous dis merci. Merci. Et l'émission, continuez à suivre l'émission. L'émission, c'est chaque semaine. Merci, N'Golo. Merci, on ensemble. On ensemble. Moi, je dis N'Golo et lui, il aime qu'on. Eh bien, président N'Golo. D'accord. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur l'émission RHHM Comédie. Merci à notre sponsor Uber Energy Drink. Sans oublier les comédiens qui veulent participer à l'émission, c'est possible. Avec le numéro de Willy, 71 44 1208. Pour qu'on aura participé. Merci. Merci, frère. Ça fait plaisir. Je suis content. Allez, on donne bye-bye aux gens. Merci, merci. Uber. La meilleure boisson énergétique au Mali.